J'adore la saison de chasse. Des fantômes dans la machine, contrôle. Mais je vérifie. Non. Nada. Rien. L'imagination déborde. Qu'est-ce qui se passe? Contrôle. J'ai plus Rousseau sur l'écran. Je fonce. Et rien. Rousseau. C'est pas possible. Bouclier menacé. Sparks, Rousseau. J'ai tout un tas de méchants sur le dos. Tu es à moi. Opérationnel. J'arrive pas à les semer. Je suis dans leur viseur. Il est à toi, Dragon Leader. Objectif vérifié. Ici, Confédération. On va leur laisser un petit souvenir. Objectif localisé. Envoyons le flashback. Flashback en charge. Prêt à partir. Rendez-vous à Sigma 3 comme prévu. Voilà un test qui me paraît tout à fait satisfaisant. Bientôt l'occasion de faire entendre votre voix, d'exprimer vos opinions face aux graves événements qui ont lieu en ce moment dans les mondes frontières. Mais avant, j'ai voulu inviter à cette tribune le commandant des forces stratégiques de notre Confédération. Je donne la parole à l'amiral Tolway. Mesdames et messieurs les membres de cette grande confédération, en tant que commandant des forces stratégiques, j'ai de nombreuses responsabilités. La plus importante est la protection des frontières de notre galaxie. Malheureusement, je suis devant vous aujourd'hui avec très peu de réponses à vos questions. Les actes de barbarie et de violence perpétrés depuis quelque temps au sein des mondes frontières resteront pour moi un sanglant mystère. Des pirates renégats, ça je vous le dis.
Non, c'est pire, ce sont les mondes frontières qui nous attaquent. Je dois rappeler à l'assistance que durant le grand conflit contre les Kilrati, les mondes frontières ont toujours été des alliés loyaux. Et maintenant, ils nous attaquent. Silence ! Le silence ! Ne laissons pas notre désir de vengeance aveugler notre lucidité. Le plus important est de savoir qui est dans notre camp. Cependant, nous devons garder à l'esprit que durant le conflit, certains changements politiques et sociaux étaient en train de se produire le long de nos frontières. Reste à savoir si ces changements ont un rapport avec ces actes insensés de terrorisme. Toute la question est là. Mais je trouverai la réponse. Ça, je vous en fais la promesse. De ces incidents a fait monter la tension entre nous et les mondes frontières d'une façon dangereuse. Mais avant que cette honorable assemblée s'engage dans une grave et irréversible action, j'ai demandé à l'amiral une enquête et un rapport complet dans les 2 semaines. Amiral, partez avec la bénédiction de cette assemblée, ainsi qu'avec l'espoir de tous les êtres pacifiques de cette galaxie. Dieu vous garde. Merci. Dans 2 semaines, nous voterons pour la guerre ou pour la paix. Faites une retranscription du discours de l'amiral Thorin devant l'assemblée. C'est à vous, Baba. Merci. Tout au long des 2 prochains mois, nous vous informerons régulièrement du développement des conflits qui éclatent en ce moment même aux frontières de notre société. Je vous souhaite une excellente soirée. C'était le magazine d'information de Barbara Mars. Qu'est-ce que je vous sers ? Et une mort tranquille. J'ai pas servi ce cocktail depuis la fin de la guerre. Salut, petit. Tu payes un coup à un vétéran de l'armée ? Vous étiez pilote ? Ah oui, j'ai volé longtemps sur le Liberty. Ouais. Tiens, fais-moi plaisir. Tire-toi de là et va manger quelque chose. Merci, mec. Tiens, chic, petit. Le prix de la liberté, c'est l'éternelle vigilance. Les choses ont bien changé depuis la fin de la guerre. Il y a des tas de soldats qui sont revenus dans le civil et qui n'ont pas de boulot. Ouais, chacun se débrouille à sa façon. Ouais. Vous êtes un vétéran ? Ouais. Eh, il me semble que j'ai vu votre photo quelque part. Attendez. Ah, bien sûr, vous êtes... Vous, les pilotes, vous êtes pas possible. On dirait que les gonzesses de la campagne n'apprécient pas les gentlemen dans mon genre. Ça doit être ça. Monsieur le gentleman. Enchanté de vous voir, colonel. Je devrais plutôt dire fermier Blair. Je sais que vous avez un emploi du temps surchargé. Non, c'est plutôt paisible comme vie. Je dis toujours, soit on est un ver de terre, soit on est un aigle. Je suppose que vous pilotez toujours depuis... Depuis que vous avez eu la chance de bombarder les Kilrati. Évidemment que je pilote. Il n'y a pas d'autre activité. À part les charrues peut-être, ou les fertilisants. Vous savez, maniaque, peut-être que les charrues et les fertilisants, c'est ce qui me plaît le plus. Après avoir risqué ma vie presque tous les jours, je dois avouer qu'une des choses qui me réjouit le plus en ce vaste monde, c'est le bruit de la boue qui se colle à mes semelles. Magnifique, vous avez appris ce beau discours par cœur, quel professionnel. Tu vas faire ce que je te dis. Ni plus, ni moins. Vous me devez encore le prix de la dernière. Personne ne va arrêter ça. C'est pas mon problème. Pourquoi vous y allez pas, vous, monsieur le grand héros de la guerre, plein de courage ? C'est comme ça que tu prêtes tes avis ?
Voyons, souviens-toi que tu n'es pas mon ami. Ah, ça me paraît évident. Sois heureux que je te tue pas immédiatement. Laisse-le partir. Ne vous mêlez surtout pas de ça, cher monsieur. Et justement, j'ai envie de m'en mêler. Tu vas regretter de m'avoir rencontré, petit gars. Et je le regrette déjà. Je vais attendre avec impatience notre prochaine rencontre. Je serais venu immédiatement, hein, si vous avez menacé. Oh, puis d'ailleurs, où il est ? R, viens ici ! Allez, viens te battre ! Quelle est cette chose importante que vous vouliez m'annoncer ? Colonel Christopher Blair, officier de réserve de l'armée de la Confédération, je vous présente une requête toute particulière. Vous êtes rappelé dans le service actif des forces de combat. Vous avez oublié, maniaque. Il n'y a plus de guerre. Ils m'ont envoyé vous chercher. Qui vous a envoyé ? Oh ben ça, j'en sais rien. Sûrement un type haut placé. Je suis qu'un simple major. On me dit pas tout, vous savez. Je ne suis pas monté en grade, malgré ces années de service. Et je comprends pas les décisions d'état-major. J'avoue que ça me dépasse. Pourquoi est-ce qu'ils reprennent un vieux schnock pour le mettre dans le cockpit ? Pourquoi je suis pas colonel ? Il vous a suffi d'une seule petite mission, et l'ennemi que nous poursuivions depuis des années a été vaincu, et... On peut partir tout de suite. Quoi, partir ? Ah oui, oui, j'ai fait préparer deux chasseurs et ils nous attendent au port. On lève l'ancre. On lève l'ancre. Tu te souviens comment faire décoller cet engin ? Oh, oh. Sacré décollage ! Pour un dinosaure. Ça fait un bail que t'avais pas tenu un manche à balai, pas vrai, colonel ? Tu avais trouvé une princesse pour le tenir à ta place, hein ? Oh, t'as pas besoin de répondre. Oui, je sais, mais tu dois admettre que ma brillante conversation t'a manqué un peu. Qui était ce type ? Vous l'avez remarqué ? Il connaissait votre nom ? Je n'ai aucune idée de qui il est. En tout cas, j'aimerais bien l'avoir au bout de mon viseur. Mais vous avez vu sa manœuvre de folie ? Quand je pense que vous me traitiez de casse-cou. C'était pas un truc de casse-cou, maniaque. C'était la marque d'un grand professionnel. On dirait le Victory. Il a l'air d'un vieux musée galactique. Un vestige de guerre. Comme certains fermiers de ma connaissance. Je suis sûr qu'ils ont mis une plaque au-dessus de votre lit. C'est magnifique, vous ne trouvez pas ? Dommage que vous n'ayez pas eu ces engins pendant la guerre. La défaite aurait été écrasante pour les Kilrati. Et je vous signale que les transporteurs ne sont que des machines, amiral. C'est exact, des mécaniques.
Il leur faut un vrai pilote en chair et en os. Un spécialiste. Apparemment, la vie à la campagne vous a bien profité. Je vous envie, cher ami. Ah, si je n'étais pas responsable de toute la sécurité de notre confédération, j'irais traire les vaches dans l'instant qui suit. Enfin. Les rapports précisent que vous avez eu des problèmes avant d'arriver ici. Oui, amiral. Ah, la loi et l'ordre. Des concepts qui s'effritent dans tous les secteurs de notre confédération. Nous traversons une ère de mutation, amiral. C'est d'un ridicule. Au moins, contre les Kilrati, nous savions qui étaient nos ennemis. D'ailleurs, l'humanité a lutté avec courage. Aujourd'hui, on ne peut même plus avoir confiance. Ouais. Vous l'avez constaté vous-même, partout il y a des trahisons. C'est pourquoi la Confédération fait de nouveau appel à vos services. Vous êtes l'homme de la situation. J'ai toujours exprimé clairement ma loyauté envers vous, amiral. C'est bien là-dessus que je compte, colonel. Depuis des mois, nous faisons face à une guerre interne beaucoup plus dangereuse qu'un conflit direct. Actes de terrorisme, piratage, sabotage... Est-ce cela le symptôme de cette prétendue période de mutation, comme vous dites, ou alors carrément l'œuvre d'une force étrangère? Vous pensez à une stratégie ou à un plan quelconque? Toutes les pistes que j'ai suivies jusque-là semblent confirmer qu'il s'agirait des peuples de nos anciens alliés, les mondes frontières. Et vous croyez que les mondes frontières se sont lancés dans une guérilla? Les relations entre eux et notre confédération n'ont pas toujours été très cordiales. C'est le prix de la liberté. Être toujours sur le qui-vive. C'est là que j'interviens, je suppose. En quelque sorte. Nous avons fait de grandes choses ensemble, colonel. Malgré une relation assez houleuse, ou même mouvementée, parfois. Oui, nous avons eu quelques différences, c'est exact. Oui. Mais je n'ai jamais remis en question votre professionnalisme. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai personnellement insisté pour qu'on vous remette très vite en activité. Vous serez mes yeux, mes oreilles et même ma conscience. Et puis votre présence parmi le peuple des mondes frontières sera un symbole pour toute la galaxie. Je ne suis pas un politicien chevronné. Les actions sont plus explicites que les mots, colonel. Je ne vous envoie pas pour être uniquement un symbole. Je vous remets à votre place dans le cockpit, où vous retrouverez une sensation forte et familière. Le frisson du combat. Prenez exemple sur moi, les gars. J'ai le meilleur tableau de chasse, j'ai le plus d'heures de vol, et j'ai une nana dans chaque port. Et vous savez pourquoi? Approchez, approchez. Parce que j'ai pas peur de la mort. Parce que j'ai des tripes. Salut, maniaque. Blair? Blair, le héros? C'est un honneur, colonel. Merci. Je vous débarrasse, colonel? Mais respect, colonel. Bonjour. C'est un honneur, merci, colonel. Je suis si heureuse de vous rencontrer. Moi aussi. Oh, toi, grand Blair, sage entre les sages. Oh, je rêve. C'est à croire que vous êtes le seul héros de l'univers. J'ai probablement le tableau de chasse le plus fourni de tous les pilotes de la Confédération. Et est-ce qu'on me respecte autant que lui? Eh non. Celui qui scoltine mon barda, c'est moi. Alors que le colonel Blair fréquente l'amiral. Oh, amiral Tolwyn, vous êtes le meilleur. Au fait... Est-ce qu'il a parlé de moi? Vous l'ignoriez? Il n'a pas arrêté de parler de vous, Major. Qu'est-ce qu'il a dit? En fait, c'est top secret. Si je vous raconte tout ce qu'il m'a dit, je serai obligé de vous tuer. Attendez, j'arrive. Je suis assermenté, il peut tout me dire. Je vous raconterai. Attendez-moi!